Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur TransportTuber. Alors aujourd'hui on va continuer la mise en service de notre fret là, notre ligne de fret. Donc on va mettre bâtiment de fret à Rouen. Comment je peux faire? Faut que je trouve une zone un peu plate. On va allonger la route là. On va allonger la route et on va finir en fait comme ça. Boum. Et du coup bâtiment. Bim. Voilà, mieux. Et donc configurer. Marchandises. On peut pas allonger plus par là. Donc on va allonger par là. Ok, par là c'est bon. On allonge encore par là. Ok, nickel. Là on est bon. Du coup on va mettre la signalisation. Ah non, faut que je fasse la desserte. La desserte. On amène du coup des outils. On en a un peu là, on demande. Sinon c'est surtout par là. Ouais, en fait il va y avoir plusieurs il va y avoir plusieurs lignes parce que en fait pour desservir un maximum c'est ultra réparti en fait. C'est ultra donc nouvelle ligne. Donc départ d'ici, on va ici. C'est C machine. Non, c'est outil, pardon. C'est C outil. C'est outil rond 1. Nouvelle ligne. Départ d'ici, arrivé ici. C'est outil rond 2. Et nouvelle ligne. Départ d'ici, arrivé ici. C'est outil rond 3. Ok, ça c'est bon. Donc on a 3 lignes. Il faudra qu'on fasse les transports après dedans. Il faudra qu'on mette les transports, enfin les camions. On met nord gauche. Il veut pas. Ah, parce qu'il y a le pompe alors je suis sûr qu'il bug. Ah punaise. Voilà, mieux. Là on met un carré là. Un carré là, donc lui il saute. Là-bas on est bon. On peut mettre un petit je vais mettre du. Voilà. Parfait. Ça c'est bon. Et donc maintenant on peut faire la ligne. Nouvelle ligne. Départ d'ici. Et on va aller chercher les outils à Lison. Lison, on va prendre quai numéro 2. Pourquoi il y a... C'est quoi ce trait bleu là? Et donc ça c'est c'est juste outil. Outil Rouen. Ok, outil Rouen. Mais c'est quoi la ligne, le trait bleu là? Ligne visible. Ah, j'avais déjà fait la ligne de planche, ok. J'avais déjà fait les lignes de planche. Ok, bah parfait. Donc, on va ouvrir, on va acheter les véhicules. On va déjà acheter les véhicules. Et donc, on va commencer par les camions. Je
commence souvent par le fond et après je. Au fur et à mesure je fais. Donc marchandises. On va mettre ça comme camion. Ça prend toute marchandise. On va en mettre 4 pour chaque ligne. Je pense que je vais en mettre 4 pour chaque ligne. Acheter véhicule. Et 4 pour la ligne. C'est outil 3. Ok. Ensuite, on va acheter les trains. Je pense que je vais acheter un train ici pour le train d'outils. Ah bah non. En vrai, là, je vais d'abord acheter mes trains de. Je vais d'abord acheter mes trains ici, là. Du coup, normalement, j'avais mis, je crois, des. Ah, ils sont où? Attendez. Là, il y a l'embranchement. Ah, ouais, c'est là. Ah, j'ai mis des. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, acheter véhicule. Locomotive diesel. Je vais mettre une petite 66 000 pour le bois. Alors pas une comme ça, une comme ça. Avec passagers. Non, marchandises. Ça, ça prend 22. Ça prend du bois, c'est bon. Ouais, 154 de capacité alors que la ligne est très courte. 110, on va faire ça. Et du coup, on va sur Bois Deauville. Ok. Ensuite. Diesel. Non, en vrai, du coup, sur le ménage, je peux peut-être en remettre une. Au pire, on peut mettre une UM. Pour faire joli. Avec marchandises. Et du coup, elle va prendre des planches. 237 mètres. Donc la ligne de planches Deauville. Voilà, c'est parti. Là, le bois, ça produit, c'est parfait. Et du coup, maintenant, on peut créer notre train qui va aller jusqu'à Rouen. Donc diesel, là on va mettre une. Une 68 000. Ouais, peut-être 68 000 avec marchandises. Ça prend des outils, c'est parfait. De capacité. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre 200. On va mettre 200 de cap. Un peu moins de. Voilà, 200, 195, c'est pas mal. 195, c'est bien. Et donc, on emmène sur la ligne de Outil-Rouen. Voilà. En attendant que lui parte, je vais faire un petit tour avec lui. Sur cette partie de la voie. Alors qu'on amène déjà 55 de bois. Ah, il y a l'autre qui va passer avant. Ah bah, je suis con, il y a. On va mettre en x2. Minimum. Faut attendre que lui ait dégagé la zone pour pouvoir partir quoi. Ah bon bah 72 000 qui bloque. Ah ça part donc là ça va libérer, ça va être bon. Et on va pouvoir faire un petit tour en cabine ici.
Donc là voilà, on va voir la 68 000 passer. Et voilà, on est parti. Ah bah le sifflet il marche pas. Et du coup on arrive en gare. Et là du coup on décharge le bois. Et on va voir un peu le trajet que ça fait. Ah, voie libre. On va voir un peu le trajet dans ce sens-là, parce que là il y a une belle rampe quand même par là, donc on va voir si ça grimpe. Ouais, ça monte easy. Il le fait easy. 51 km/h, on est bien. Et voilà. Et du coup là il va charger combien? Ah il charge 110. Ok, il est plein. Bah c'est parfait ça. C'est pas mal. Il y a l'autre qui est passé. Il est où? Ah bah il est là. On va faire un petit tour en cabine avec. Oh les 15 000 oh. Ah, attendez, attendez, attendez. En attendant. En attendant. J'aime bien les 40 100, c'est pas le problème. Mais les 15 000 quoi. On va laisser une 40 100, voilà. Je suis gentil quand même. Alors 6500 non. Ah là 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 là. Ah qu'est-ce que c'était bizarre les 15 000. Avec des corails, le must. C'était le must. En vrai, une nez cassée avec des corails, c'était le must. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des multiservices. Attendez, je vais mettre une multiservice. Je vais mettre une multiservice aussi. Voilà, ça va changer un peu. 20 200 non. Et ouais sinon non j'ai pas de. J'ai pas les autres. Voilà. Modifié. Ok, elles sont où ces beautés là? Oh c'est beau. Ah ce son. Ah ce son. Ah oui. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ah, là c'est la dernière 40 100. Ah, on entend le son du compresseur. Le synchro 5 compresseur. Ah oui, ça c'est la 6 aussi. Ah voilà la 35. Oh là là. Oh c'est magnifique. Oh. Ah oui le compresseur. Le compresseur, le compresseur, le compresseur. Meilleur bruit ever. Bon voilà, bah du coup on a mis les 15 000, c'est parfait. Il est où mon train là? Est-ce qu'il a passé l'oison? L'oison, pardon. Ah, il est là. On va faire un petit cab ride jusqu'à Rouen. Je suis en fois combien? x2, c'est bien. Voir un peu de combien de temps ça me met pour y aller. Même si là du coup ce qui est dommage c'est que du coup on est vide là, on a rien. Et le fait de voir, de faire le petit cabaret comme ça, ça me permet de voir s'il faut que je rajoute des signaux ou pas. S'il y a souvent des arrêts ou pas quoi. Là pour l'instant on voit que c'est bien.
Il est à... Là on a failli hein. Ça a failli parce qu'il y avait le signe, il y avait le train là. Et alors on a notre vitesse maximum 100 km/h. Le signal qui s'ouvre, c'est parfait. Là on arrive à Caen normalement. Ah, et à Caen on est bloqué. On repart, mais du coup on sait qu'il y a un train de voyageurs devant nous quoi. Normalement. Waouh, c'est beau. Bah, le train de planche justement qui est en train d'arriver. Enfin, qui va vers, qui va déposer les planches. Donc au prochain voyage normalement il y aura des outils. Normalement au prochain voyage il y aura des outils. Signal voie libre, c'est parfait. Là la voie justement qui va vers l'usine de planches. Ah et on est bloqué. On se parle, ça va laisser le temps de produire des outils avant qu'on arrive quoi. Avant que le train revienne. Ça le prochain voyage ce sera pas un voyage à vide. Là c'est un voyage à vide. On a zéro. Mais le voyage d'après sera pas un voyage à vide. Et là c'est sympa avec les petites les voies en dessous et tout, c'est sympa. Petit train de voyageurs, parfait. Voie libre, ok, on n'est pas bloqué. Mais à mon avis le prochain fermé parce que... Ah et le petit PN avant le tunnel là j'aime bien. Même si du coup il y a un petit mur là, mais le petit PN avant le tunnel j'aime bien. Là le petit pont. Un train de voyageurs encore. Ouais, peut-être que ça mériterait un peu plus de signaux en vrai. Pour accepter un peu plus de trafic. Parce que là je sens que ça va être fermé. Voilà, c'est fermé, c'est sûr. Et là, on arrive à Lisieux. Avec la voie là-bas qui va à Deauville. Tout doudou. Tout doudou. Tout doudou. Le train qui va, on voit le train qui va à Deauville. On avait le train qu'on voyait avant, c'était le train qui va vers Paris. Donc, c'est-à-dire qu'on a possiblement deux trains juste devant nous, quoi. Deux trains de voyageurs juste devant nous, quoi. Hop, un train qui fait Rouen-Caen, un ABJ. La gare de Lisieux. Il y a le train de voyageurs qui nous passe devant. C'est normal en vrai, c'est un voyageur. Il va à Paris en plus. En vrai, il y a pas mal d'arrêts quand même. Il y a pas mal de points arrêtés. Il faudrait voir peut-être ajouter quelques signaux. Parce que du coup le trajet vers Rouen il va être long quoi. Après en vrai on peut mettre juste avoir un gros train et... Le problème c'est que ça, les fréquences comptent un peu sur TPF donc bon, à voir. À voir, à voir, à voir. On croise un autre ABJ qui arrive de Rouen aussi. Et du coup on se tape tous les signaux fermés quoi. Comme ça on repart direct. On croise une petite 72 000 avec avec des voitures USI. Et là normalement on devrait plus être gêné. Ouais voilà. Là nous en fait on va prendre à gauche et je pense que le train qui était devant nous il est allé à Paris. Voilà. Et donc là on rentre sur la ligne de Rouen. On va passer à la gare de Gloumont-Fort.
Go sur Hill. Voie libre, c'est parfait. Et là, on descend sur Elbeuf. Et normalement, la gare de Elbeuf-Saint-Aubin. Là, on croise, on traverse la Seine. Et là, normalement, c'est la gare de Elbeuf-Saint-Aubin. Et là, on commence la montée. Alors, normalement, c'est plutôt plat ici, mais bon, nous, on est obligé de faire une montée. Et on rejoint la ligne de Paris-Le Havre. On croise la dernière 40 100. Un petit ABJ en direction de Caen. Toujours voie libre. Et là bas voie libre parce que de toute façon nous on va prendre la nouvelle voie à gauche. Ouais, elle a pas de sifflet, elle. Et donc dans la vraie vie, il y a vraiment... Alors c'est une voie unique normalement dans la vraie vie. Mais il y a vraiment un truc comme ça sur les kebabs de Rouen. Donc tu peux te retrouver avec une Euro 4000 qui roule en plein milieu de la ville, quoi. C'est assez marrant. Mais littéralement, une Euro 4000 qui roule au beau milieu de la ville avec... avec des wagons de céréales, quoi. Enfin, c'est assez marrant. Ok. Bah voilà. C'est pas mal, ça. Normalement, du coup, là, ça devrait pas mal produire. Ah, ça y est, ça produit. On a une demande de... On a combien, là, de fret? On a 85, déjà. Pas mal. Et donc, l'usine, là, elle a 32 en stock. Pourquoi il est bloqué, lui? Mais en vrai, je disais rajouter des signaux, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour rajouter des signaux. Ouais, peut-être un là. On va mettre des sémaphores. Peut-être un là au milieu. Un là. Et après, bah ouais, non, après c'est tout. Après c'est tout. Et donc du coup au niveau du bois là, ça se passe comment? On a 25 en stock. Et lui il amène 73. Ok, c'est bien. Ça produit bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait faire plus de bois? Enfin ramener plus de planches. Là on peut faire du bois, mais est-ce qu'on a une fabrique bois planche pas loin? Pour amener encore plus de planches au truc. Ouais, non, y a pas. Y a pas l'air d'y avoir. Enfin, ici, il y a des planches. Mais il n'y a pas de bois, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, il y a planche. Mais il n'y a pas bois non plus. Donc, ah, si, il y a bois là. Mais on s'en sert déjà, donc non. Ouais, non, on pourra pas faire plus. Mais en vrai, déjà, ça va déjà bien desservir Rouen. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Quand c'est encore bien desservi, oui. Donc là, Rouen, normalement, il devrait être content, Rouen. Il devrait être content. Pour l'instant, ils ont rien, mais... Est-ce qu'on peut faire des briques pour Rouen? Ça, c'est une question. Alors, il y a ici, mais il y a pas... Par contre, il y a des usines de briques, mais il n'y a pas de carrière. Il y a des usines de briques, mais il n'y a pas de carrière. Ça fait chier, par contre. Est-ce qu'on a une carrière au moins sur la map? Parce que s'il y a zéro carrière sur la map, c'est un peu con. Condition requise, hein. Produit.
Ah ouais, non, il n'y a pas de carré. Ah ouais, il n'y a aucune carré. Donc en fait, on peut pas faire de briques, quoi. Normalement, on peut pas faire de briques. Mais du coup, on va créer une carrière quelque part. Hein. On va créer une carrière quelque part. Où est-ce que je pourrais mettre une carrière où ça rendrait pas trop mal? On va faire une carrière par ici. Bâtiment. Boum. Et une usine de briques parce qu'il y en a pas non plus. Voilà, ça va être un peu compliqué. Là, le relief va faire que c'est un peu compliqué aussi. Où est-ce que je peux mettre une carrière? En vrai, je peux la mettre. Pas une carrière, mais une usine de briques. Un vrai par ici, ce serait pas mal. Ouais, mais le truc, c'est que l'embranchement sera un peu compliqué. Ou alors... ouais, non, si je fais, je fais une voie de chaque côté, c'est bon. Bon, on va la faire là. On va la faire ici. Du coup, je vais mettre une rue jusque là. Une route non construisible. Voilà. Position du genre, oui. Courbe. Ah, par contre, putain, j'ai pas autre chose. Ah, si, ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, parfait. Du coup, on met bâtiment de type ferroviaire. On va mettre deux voies avec deux voies. On va mettre un bâtiment avec deux voies. 320 mètres. Boum. Rail. Sachant qu'il n'y a qu'une voie normalement qui doit partir de chaque côté. Ah, plus tard, peut-être que plus tard il y aura plus, mais pour l'instant on va faire ça. On va mettre des voies 25 000 volts, possiblement électrifiées. Ah non, ce sera pas électrifié. Enfin, par là, si on peut électrifier en vrai. Non électrifié pour l'instant. Ok, la voie, elle vient ici. Ok. Parfait. Et de ce côté-là, du coup, en direction de Rouen, pour aller à Rouen. J'avais pas fait attention à ça. Ça va être compliqué par contre. Il va falloir faire une voie un peu serrée, assez serrée. Faut faire une voie serrée parce que bah sinon ça passe pas. Tout simplement. Sinon ça passe sur le viaduc et on sait très bien que les viaducs sur... Enfin faire une aiguille sur viaduc c'est très compliqué. C'est très compliqué dans le jeu donc voilà. Signalisation. On va mettre un carré ici. Un carré ici. La voie ici, on va la raccorder. Courbure trop serrée.
Ok, bon là c'est bon. Signalisation. Là faut la mettre à droite. Faut la mettre un signal à droite sinon ça passe pas. Ok. Là on est déjà bon. Nord, droite. Voilà. On va essayer de le mettre là, comme il protégera, c'est bien. Ce sera suffisant pour protéger. Et donc là, on est bon. Ok. Et donc, du coup, il faut qu'on amène les pierres. Les pierres, il faut qu'on les amène, du coup, d'ici. On va faire l'usine là. On va faire la voie là tout de suite. Et puis après, on va tranquillement se laisser là-dessus. Hop. Je vais faire la même longueur de quai. Sauf que là, je vais mettre qu'une seule voie, c'est suffisant. Ok. Rail. Ok. Ah merde, ça passe pas. Ça passe pas, c'est dommage. Faudrait se raccorder un peu plus loin. Soit un peu plus loin, soit essayer de rejoindre la voie qui est ici pour... Ouais, non. On va monter au maximum, hein. Alors du coup, ce signal-là, il va sauter. Et du coup, tu auras un double embranchement ici. Gauche. Carré. Et voilà. Bon, en tout cas, on a 33 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post en direct sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien de Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.